Bonjour, aujourd'hui 6 décembre, dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, fête cachée de Saint Nicolas, le grand thaumaturge. Mais la figure au centre de la liturgie aujourd'hui, c'est bien Jean-Baptiste. Ce ne sera pas tellement une Lectio Divina ou une introduction à la Lectio Divina, mais on va mettre en lumière quelques traits particuliers de Jean-Baptiste, ce qui va nous éclairer sur la parole qui nous est donnée aujourd'hui et sur les fêtes que nous célébrons prochainement. Premièrement, Jean-Baptiste, nous connaissons le début de son histoire. Sa maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Élisabeth, elle était stérile. Et puis elle conçoit. Et lors de la visitation, la Vierge Marie, avec Jésus en son sein, vont à la rencontre d'Élisabeth et Jean-Baptiste est sanctifié dans le sein de sa mère et Élisabeth est remplie d'Esprit Saint et elle proclame combien la Vierge Marie est bienheureuse. Jean-Baptiste, donc sanctifié dès le sein de sa mère, cela peut nous faire penser aussi au mystère de la Vierge Marie, Immaculée Conception, fête que nous célébrons mardi, grande fête où nous pouvons contempler la Vierge Marie comme toute pure. Et c'est bien ça le saint. Le saint, c'est celui qui est tout tourné vers Dieu. Alors nous pouvons regarder en la Vierge Marie, celle qui est toute pure, celle qui est toute tournée vers Dieu. Elle est sans péché. Jean-Baptiste est un pécheur, mais sanctifié dès le sein de sa mère, il a une profonde conscience de Dieu et une profonde connaissance de Dieu. Et c'est ça qui est tellement mystérieux dans le mystère de Jean-Baptiste. Ce qui personnellement pour moi a toujours été difficile à saisir, qui est Jean-Baptiste. Et de plus en plus je me rends compte que Jean-Baptiste, on ne peut pas le connaître si on ne cherche pas à connaître combien il est rempli d'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas connaître Jean-Baptiste tant que nous ne connaissons pas un peu mieux l'Esprit-Saint. C'est peut-être ce que nous pouvons demander aujourd'hui, demander que l'Esprit-Saint nous éclaire sur ce mystère de Jean-Baptiste, sur celui qui est si plein d'Esprit-Saint et qui prépare les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste et Marie, puisqu'ils ont tellement une connaturalité avec Dieu, ils sont tellement sensibles à tout ce qui sépare de Dieu, en particulier au péché. Ils sont tournés vers Dieu et ils sont tournés vers les hommes. En tant qu'ils sont tournés vers Dieu, ils sont remplis d'ardeur et d'amour. L'un ou l'une silencieuse, Marie, Jean-Baptiste proclamant, criant. Mais tous deux tournés vers les hommes, Marie conduisant dans le silence de son cœur les hommes vers Jésus, vers le Père, Jean-Baptiste en proclamant dans le désert, les foules venant vers lui. Jean-Baptiste est un pauvre. D'une part, il connaît ce pourquoi il est venu. Nous voyons en fait en Marie et en Jean-Baptiste deux bourgeons. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui bourgeonne et qui fait bourgeonner, voir déjà la venue du royaume dans la présence de Jésus. Et Jean-Baptiste, il est cette voix qui proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez, que toute montagne et colline soit abaissée. Il y a un appel à la conversion. Il faut savoir que l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, les prophètes, comme nous le dit saint Paul, ils sont là pour nous aider à faire connaître le péché et que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un sauveur. Toute cette marche du peuple d'Israël, c'est une marche vers le salut, c'est une conscience que l'homme a besoin d'un sauveur. C'est la conscience que l'homme sans Dieu n'est rien. Et que la loi ne suffit pas, que les prophètes ne suffit pas. Il faut la présence de Jésus.
C'est ce qu'on verra avec Jean-Baptiste. Il ne sera pas seulement un prophète, mais le plus grand des prophètes qui va désigner l'agneau. Il sera l'ami de l'époux qui est plein de joie à la vue de l'époux. C'est ce que saint Jean nous dit dans son évangile. Donc si saint Jean-Baptiste est à la fois cet homme du désert, ce pauvre revêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour de la taille, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, il est cet homme austère, mais aussi cet homme qui est déjà tout tourné vers la venue de Jésus. Il est à la fois cet homme austère, mais à la fois cet homme qui est doux, qui goûte déjà la présence de Jésus. Et si nous sommes là, aujourd'hui, dans ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est pour que nous puissions nous aussi crier vers Dieu, comme Jean-Baptiste. D'abord, crier vers Dieu parce que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du salut. Que nous puissions être plus pleins d'Esprit Saint pour connaître notre péché, pour savoir que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus, que nous avons besoin du Sauveur, que nous avons besoin de Noël. Il est devenu presque impossible de parler du péché dans notre monde. Il n'est pas bon, c'est pas bien. Il semble qu'on ne puisse pas parler du péché parce que c'est dire que nous sommes mauvais. Oui, mais si nous ne pouvons pas parler que nous sommes pécheurs, d'où viendra le salut? Jean-Baptiste, il crie et il proclame un baptême de conversion pour que nous puissions nous convertir. Savoir que nous avons besoin de cette douceur de l'agneau, de cette proximité, de cet ami qui s'est incarné, ce Verbe fait chair qui est venu habiter parmi nous. Alors Jean-Baptiste, il proclame un baptême de conversion et il proclame que nous sommes faits pour rendre gloire à Dieu, justice à Dieu, le Dieu premier servi. Parce que si nous proclamons notre péché, c'est pour dire que nous avons besoin de Dieu et que Dieu, il est le premier servi en toutes choses, le seul qui mérite toute gloire. C'est grand la vie chrétienne, parce que ça nous fait connaître notre petitesse, notre pauvreté. Et Jean-Baptiste, il nous fait connaître le lieu de notre demeure, notre cœur qui est un cœur pauvre, mais qui est si riche quand il se tourne vers Dieu. Alors que Jean-Baptiste et que Marie nous tournent, Jean-Baptiste et Marie, les deux bourgeons, si pauvres, mais si riches. Si, aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice dans notre monde, tellement un manque d'amour, c'est parce que Dieu permet la pauvreté de l'Église. Si nous avons à passer à travers ce lieu de pauvreté excessive, c'est pour que Dieu soit tout en tous, pour que nous rejetions l'égoïste que je suis, les égoïstes que nous sommes, pour que nous puissions abattre notre orgueil, entrer dans l'humilité de ce Jean-Baptiste, de la Vierge Marie, pour être libres de nous-mêmes, remplis d'Esprit Saint, remplis de Dieu, remplis de Jésus. Venez et voyez comme est bon le Seigneur, que nous puissions goûter la douceur, la bonté de Dieu. Et cela, nous ne pourrons le faire pleinement que si nous confessons notre péché et si nous marchons sur le chemin du Seigneur, celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puissions-nous être remplis de Dieu, remplis de Jésus, remplis de désir pour notre monde. Si nous avons à souffrir, s'il y a des injustices dans la politique, dans le monde du travail, si nous avons à pâtir cela, c'est d'abord pour bénir ceux qui ont à nous conduire. C'est pas d'abord pour dire du mal, mais que nous puissions avec Jean-Baptiste bénir, proclamer la victoire de Dieu, proclamer la venue de Dieu, même à travers ceux qui peut-être ne font pas le bien et qui ne savent pas ce qu'ils font, mais que nous puissions, nous,
bénir, avoir un cœur doux, mais un cœur fort comme Jean-Baptiste, pour voir ce qui est de faux, voir les injustices, voir les manques d'amour et de miséricorde, mais proclamer qu'avec Dieu, nous pouvons être nous les premiers à être des témoins du royaume qui est déjà là, au milieu de nous, que nous allons mieux connaître à Noël, mais qui déjà bourgeonne dans nos cœurs, qui déjà bourgeonne dans la vie de l'Église. Nous sommes, comme Église, un lieu prophétique pour le monde, alors que nous puissions, par la paix et la joie que nous avons dans nos cœurs, être des témoins du royaume, comme Jean-Baptiste est témoin du royaume, comme la Vierge Marie. Alors, bon dimanche de l'Avent, et allons vers Noël, plein de désirs, et offrons notre monde, notre pauvre monde, pour que l'Esprit Saint descende au cœur de ce monde, le réchauffe de son amour, le réchauffe de son Esprit Saint, pour que la paix soit donnée, la paix du Christ. Bonne journée, à demain.